Le vôtre s'appelle Saphir des Cimes et le vôtre s'appelle Ongle d'Or. Beaucoup d'anxiété, mais en même temps... On est un peu stressé tout de même parce que c'est la première fois. Beaucoup d'adrénaline parce que c'est une nouvelle expérience. Mais j'ai un peu les chocottes. C'est parti pour la prochaine édition. C'est génial. Ouais. Voilà, je voulais gagner, on a gagné. Génial. Mais non, on a gagné, j'ai gagné. Ah, je savais pas, c'est fantastique, c'est une impression équestre que je ne connaissais pas. T'en as de tous les côtés, t'as de la terre qui te vient sur la tête. Le goût de la victoire est délicieux. Vous pouvez l'embrasser en même temps. Merci. C'est la première fois, donc moi je suis très curieux, donc ça m'intéresse de voir ce qui va se passer. Il faut que je relève le niveau du Parisien là, donc on va gagner là. On a mis le casque, on a mis des lunettes, une tenue, donc je suis prêt. Je suis contente et en même temps j'ai un peu la frousse, on verra. Et la petite ficelle pour nous accrocher. Ils veulent y aller, ils veulent en découvrir. C'est parti, on est parti vite. Et on vient vite à l'extérieur, casaque noir avec Nicky Zomine qui essaie de revenir également. Avec toujours en tête Marie-Christine Morosi qui va s'imposer. Marie-Christine Morosi qui l'emporte. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Je ne m'attendais pas du tout à gagner, mais je crois que je suis tombée sur le champion. Ça donne le frisson, on a envie de gagner. On voit la vitesse à laquelle les pattes se déploient et circulent. Et ça, c'est très impressionnant. L'odeur du cheval exalté, l'essence. On respire de la terre. Enfin, c'est formidable. Hello, voilà. Hello. Hello. Une dame qui se cache.